Bienvenue dans votre émission. Nous voilà à la leçon de vendredi. S'interroger. Partagez les idées tirées de votre verset à mémoriser et de l'étude biblique de cette semaine, de même que toute découverte, observation et question avec votre classe de l'école du sabbat ou votre groupe d'études bibliques. Considérez les questions à discuter suivantes avec le reste du groupe. Si vous lisez Daniel 7 en tant que chapitre de prophétie et de promesse, qu'est-ce qui vous encourage dans ce chapitre? L'église d'aujourd'hui jouit davantage que l'église persécutée au Moyen-Âge n'avait pas. De quels avantages s'agit-il? Comment ceux d'entre nous qui jouissent de la paix et de la sécurité peuvent-ils utiliser leurs privilèges au maximum de leur potentiel? À quoi cela ressemblerait dans la vie de tous les jours? Connaissez-vous quelqu'un qui a subi la persécution? Comment pouvons-nous mieux aider ceux qui habitent dans des lieux de persécution? Quelles sont les promesses bibliques qui vous semblent les plus significatives lorsque vous subissez des épreuves? Quelles sont vos histoires bibliques préférées qui vous donnent de l'espoir lorsque l'avenir semble sombre? Pensez au lien étroit que ceux qui subissent la persécution auront avec Jésus au ciel. Apocalypse 7, versets 13 à 17. À quoi cela ressemblera-t-il? Avez-vous déjà été témoin d'une circonstance où l'opposition à l'œuvre de Dieu n'a fait que rendre le résultat de cette dernière plus glorieux et étonnant encore? Racontez. Comment ceux qui jouissent actuellement de la paix et de la sécurité doivent-ils se préparer spirituellement à des temps plus difficiles? Qu'est-ce que la vision de Daniel 7 nous apprend sur la manière dont Dieu traite son peuple persécuté? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.